Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir comment fonctionne la conversion de vidéo via le logiciel Uniconverter. Mais avant de vous en dire plus, je vous rappelle que si le logiciel vous intéresse, vous pourrez retrouver le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les nouveautés. Allez, c'est parti, découvrons tout de suite comment convertir une vidéo dans un autre format avec Uniconverter. Nous avons tous sur nos ordinateurs des vidéos que nous souhaitons convertir dans un autre format afin de pouvoir les regarder sur n'importe quel lecteur ou autre appareil multimédia. Wondershare Uniconverter est clairement le logiciel idéal pour ça, puisqu'il prend en charge plus de 1000 formats différents. Autant dire que rien ne lui résiste. Il est d'ailleurs considéré à ce jour comme l'un des meilleurs programmes de conversion du marché. Mais quand on débute, il peut être un peu compliqué de s'y retrouver. Voici donc les démarches à faire pour convertir vos vidéos rapidement et facilement. Pour commencer, une fois votre programme lancé et votre fenêtre ouverte, il faudra vous assurer de bien vous trouver dans la catégorie convertisseur vidéo. Pour vérifier cela, il suffit de regarder dans le volet en haut à gauche de l'écran. Une fois cette vérification faite, vous pourrez cliquer sur « Ajouter des fichiers » dans la fenêtre de droite et importer les vidéos que vous souhaitez convertir directement depuis votre ordinateur. Une fois votre sélection faite, vous pourrez ouvrir le menu « Format de sortie » qui se trouve dans la section inférieure de la fenêtre principale. Puis, il faudra sélectionner le format de sortie que vous préférez dans l'onglet « Vidéo » via une liste qui se trouve sur la gauche de ce même onglet. C'est également ici que vous pourrez choisir la résolution de sortie. Une fois tout cela effectué, il faudra vous assurer que le bouton « Conversion haute vitesse » qui se trouve dans le coin supérieur droit est bien activé, au risque de vous retrouver avec un temps de conversion bien plus long. Ce sera également le moment de sélectionner le dossier de destination dans le champ « Emplacement du fichier » en bas. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Convertir » pour lancer le processus. Une fois la conversion terminée, vous pourrez retrouver vos vidéos dans l'onglet « Terminer ». Une fois la connexion faite, vous reviendrez automatiquement sur le programme et vous pourrez apercevoir une fenêtre pop-up pour vous permettre de sélectionner la catégorie de votre vidéo, mais aussi modifier le titre, la description, les balises, ainsi que la confidentialité. Une fois tout cela fait, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Publier » et le tour est joué. Vous pourrez également utiliser ces manipulations pour convertir une vidéo musicale par exemple pour ne garder que le son audio. Il faudra simplement faire la sélection des formats de sortie via l'onglet « Audio » et non « Vidéo ». Vous n'aurez également pas la possibilité de partager la piste audio une fois convertie sur Internet. Pour retrouver vos audios, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet « Terminer » tout en haut de la fenêtre et de cliquer sur « Ouvrir » à partir du côté droit du fichier audio converti. Le dossier de réception s'ouvrira directement. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a été utile et que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager avec des amis qui débutent sur Wondershare Uniconverter pour leur faire gagner un maximum de temps. Si vous êtes intéressé par le programme, je vous rappelle que le lien est disponible dans la description. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les nouveautés. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous, bye bye.